Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de réaliser que je ne vous ai pas donné les dimensions, il me semble, pour recouvrir. Alors, pour l'intérieur, j'ai pris simplement du papier craft épais. Pour l'extérieur, j'ai pris du papier craft fin, plus du papier scrap. J'ai pris un espèce de marbré, un peu de la même couleur que le papier. Si j'avais eu plus de papier, j'aurais utilisé le papier pour faire l'extérieur, mais je n'en ai acheté qu'un bloc. Voilà. Donc, je vais vous donner toutes les dimensions. La première dimension, c'est en papier craft. Alors, en papier craft, pour... attendez, je suis... Pour cette partie-là, je ne sais même plus ce que j'ai marqué. Oui, non, pour tout. Pour tout. Alors, il vous faut des morceaux de 6 cm par 10,5 cm. C'est ici. Il vous en faut 4. Il vous faut des morceaux de 6 par 16,5. Il vous en faut 6. Puis des 6 par 21,5. Il vous en faut 2. Il n'en faut que deux de ceux-là. Qu'est-ce que j'ai noté? Et le fond, là, 21,5 par 16,5, il vous en faut un. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est les dimensions pour l'extérieur. Ça y est, j'ai retrouvé. Je vous les noterai, hein, ça sera plus simple. Je vous les noterai. Ça, c'est pour l'extérieur. Donc, vous le faites une fois en papier craft épais, une fois en papier craft fin. Et après, en papier scrapbooking, là, il vous faudra 5,5 par 10, 5,5 par 16, 5,5 par 21, 10 par 16. 10 par 16, c'est où? Je ne sais plus. 10 par 16. Là, je me disais... 10 par 16, c'est le dessus. Alors, si vous avez un tout petit peu de papier assorti au mini-album, c'est quand même sympa de le mettre par-dessus. Donc, 10 par 16 et 21 par 16, c'est pour le dessous. Voilà, ça y est. J'ai retrouvé où j'en étais. Voilà pourquoi il n'en fallait que deux. C'est parce que c'est cette partie-là à l'intérieur et là à l'extérieur. Voilà. Pour recouvrir les boîtes photos... Alors, pour la grande boîte, il vous faut 16 par 21, il vous en faut 4 morceaux. Puis 1,7 par 21, il vous en faut 4 morceaux. Puis 1,7 par 16, il vous en faut 4 morceaux. Pour faire l'intérieur et l'extérieur, si vous voulez faire l'intérieur d'une couleur différente de l'extérieur, faites la moitié des morceaux d'une couleur, la moitié des morceaux de l'autre couleur et vous aurez l'intérieur et l'extérieur. Vous avez remarqué que je n'ai pas recouvert de partout. Alors, d'une, parce qu'il y a des parties qui sont doublées, donc ce n'est pas une extrême utilité de les recouvrir. Et de deux, c'est pour que ici, il n'y ait pas trop de surépaisseur et que la boîte ferme comme il faut. Avant de mettre le papier là, le dessus et le dessous à l'extérieur, pensez d'y mettre une petite poignée en ruban pour pouvoir ouvrir vos boîtes facilement. Vous voyez, hop, hop, hop. C'est tout facile comme ça. Voilà. Ça, c'est pour la grande boîte. Pour les petites boîtes, je vais vous donner la quantité de papier pour une boîte. Alors, 5... Attendez, je suis perdue. Petite boîte. 10... par 16, c'est le dessus, le dessous, etc. Il vous en faut 4. 10 par 1,7, c'est là, il vous en faut 4. Et 16 par 1,7, c'est là, il vous en faut 4. Mais comme vous avez 6 boîtes, pourquoi j'ai marqué 5 J'ai marqué 5. Comme vous avez 6 boîtes, eh bien, il faudra tout multiplier par 6. Donc en fait, il vous en faudra 24 morceaux, là, par exemple. D'accord? Voilà, donc il en faut un bon paquet. Vous faites tous les petits côtés, là vous les faites dans les chutes, c'est déjà pas mal. Et il vous restera encore des chutes qui vous serviront à faire les lanières. Pareil,
avant de coller ce morceau-là et ce morceau-là, vous pensez de vous faire la petite poignée. Alors, la petite poignée, elle n'est pas compliquée. Voilà, tous mes morceaux. Un peu de ruban. Il est où mon beau ruban? Voilà, ça c'est mon magnifique ruban. Il s'appelle chocolat au lait. Et il est génial. Tellement génial que je vais déjà m'en racheter un parce que dis donc, je l'utilise tellement souvent que celui-là, il ne va pas me durer 2 ans. Hein. Mais je vais me l'acheter en plusieurs dimensions. Là, c'est le plus grand, c'est 9 mm. Non, il y a certains plus grands encore. Mais voilà, ça c'est le 9 mm. Il y a du 6 mm et il y a du 3 ou 4 mm qui est super aussi. Et il est de super bonne qualité. Hein. Voilà. Et il coûte une bouchée de pain, 2 euros, un truc comme ça, pour 10 mètres. Quand je pense au prix qu'on paye les rubans, est-ce que j'en ai un? L'autre jour, j'ai acheté un petit ruban Action. J'en avais 2 mètres, je crois. Et j'en avais pour 80 centimes. Donc, je me dis que je préfère payer 10 mètres d'un ruban de qualité à 2,20 euros, je crois. 2,18 euros, 2,20 euros, un truc comme ça, quoi. Et en 6 mm, il fait plus que 1,80 €. Voilà. Donc, franchement, on y est gagnant. Même si la qualité était identique, on serait gagnant à acheter celui-là. Voilà. Donc. Et puis, il y a des tas de couleurs. Il y a, je ne sais pas, 30, plus de 30 couleurs, 30, 40 couleurs, j'en sais rien. Enfin, bon, génial. Voilà. Après, il vous faut un peu de double face. Voilà. Et il vous faut mesurer le milieu. Ah, j'ai encore collé ma règle dans les aimants. Mais c'est pas possible d'être aussi branquignole. Alors, 8,25. Vous faites un petit trait, pas trop près du bord, comme ça vous n'aurez pas besoin de gommer. Voilà. 8,25. Ok. Vous mettez un petit bout de double face. De chaque côté. Un petit bout là. Et un petit bout là. Pareil, je ne vais pas complètement au bord là, hein, pour pas qu'il se voit. Ensuite, vous coupez. Il n'y a pas besoin de très long. Là, je pense que... Oh, j'ai peut-être fait court là quand même. Mettons, j'ai fait 5. Mettez 6 cm. Là, à mon avis, je vais un peu galérer. Je n'ai pas bien regardé, je l'ai fait un peu court. Alors, est-ce que je vais y arriver déjà à le détacher? Hop. Alors, vous mettez juste un petit bout là, ok? Puis, vous pliez, vous faites votre petite poignée d'à peu près 1 cm et il faudrait que le deuxième bout de ruban soit légèrement plus long pour qu'il vienne là où il y a encore un peu de double face, ok? Et pour être sûr, je remets là un petit peu de colle ici, qui pour l'instant ne s'applique pas beaucoup parce que j'ai pas mis le papier. Ensuite, j'ai arrondi les angles de mes papiers. Je trouvais ça plus joli. Me demandez même pas pourquoi. Surtout que c'est pour un album masculin, donc les angles arrondis, c'est plutôt, plutôt féminin, mais bon, je ne sais pas pourquoi j'avais arrondi. Et alors, mon grand-père, il fait partie de la génération d'hommes qui n'exprimait absolument pas son côté féminin. Hein. C'est clair que c'était pas du tout un macho au niveau respect des femmes, etc. C'était pas du tout un macho. Mais alors, c'était pas un mec qui passait, qui se tartinait la figure de crème ou des choses comme ça. Hein. Alors, c'était... Voilà, pas un macho, mais un mâle. Ben bon, c'était une autre génération, hein. Et là, vous faites bien coller, surtout là où il y a le ruban. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Pour l'avant, j'ai coupé dans un papier fin Action des décors qui me paraissaient, si possible, le moins féminin possible pour coller sur le dessus. Par contre, faites attention, comme les boîtes, il en va 3 d'un côté, 3 de l'autre. Si vous voulez que ça soit joli,
vous mettez, bon, je vais vous le mettre sans la boîte, vous allez quand même comprendre très bien. Si vous mettez les rubans là, toujours vers le centre de la boîte, vous allez avoir les dessins à l'envers. Donc vous pouvez mettre la moitié des dessins dans un sens, la moitié dans l'autre. Voilà, par exemple celui-là, il va à gauche avec les rubans à droite et celui-là, il va à droite avec les rubans à gauche. Si jamais vous ne l'avez pas fait, c'est pas très grave d'avoir les rubans tous vers la droite, c'est pas une catastrophe. Voilà, donc pour ici, je colle, ça y est, mon bureau est envahi, c'est bon. Il y a une heure ou deux, j'ai dit que pour l'instant, j'étais arrivée à ne pas mettre trop de boui-boui sur le bureau. Et bien là, le temps de faire les lanières, j'en ai mis de partout. J'ai oublié de mettre le ruban. Alors, par exemple, mon grand-père n'a jamais cuisiné. Jamais. D'abord parce que ma grand-mère était une fameuse cuisinière. C'était vraiment délicieux. C'est toujours, d'ailleurs, elle cuisine moins hein, maintenant. Mais... Et puis parce que, voilà, il n'avait pas été éduqué à cuisiner. Mais par contre, si ma grand-mère avait juste simplement commencé à dire « Ah, mince !» Je n'ai plus de moutarde. Pétard, dans la demi-seconde, il avait enfilé sa veste, attrapé les clés de la voiture et il partait chercher de la moutarde. Donc, il l'a menée de partout puisqu'elle ne conduisait pas. Il gérait le jardin. Elle l'aidait beaucoup pour tout ce qui est fleurs et compagnie, mais il taillait les arbres, machin, médule, voilà. C'était un peu... Il n'a jamais fait le ménage non plus. Voilà, c'était les seuls trucs qu'il ne faisait pas. C'était pas de sa génération, mais par contre, il faisait tout le reste. Hop là! Et surtout, j'ai rarement vu quelqu'un autant respecter les femmes que lui. Voilà, donc j'ai décidé que celle-là, j'en ai trois qui ont des dessins et deux qui ont des motifs géométriques. Donc je vais mettre deux avec les dessins et une géométrique de chaque côté. Je ne sais pas pourquoi, moi j'aime bien que ça soit toujours symétrique, parallèle, proportionné, voilà. En fait, j'ai sûrement, je pense, un cerveau ou une éducation ou je sais pas quoi, qui est beaucoup plus technique qu'artistique. Voilà, c'est... Yep. Alors, pourquoi je n'ai pas mis directement le papier fin en le coupant un peu plus grand ? J'aurais pu, sauf que du coup, là, au niveau du ruban, ça aurait été du papier fin. Et si jamais on tire un peu sur le papier fin, il se déchire. Alors que sur le papier épais, là, le ruban ne va pas arriver à le déchirer. Ou alors, il faudrait vraiment faire comme ça. Et encore, même comme ça, voilà. Sur le papier fin, ça se serait déchiré. Bon, après, vous faites les contours, etc., etc. Pour les contours, les petits côtés, il va falloir, hop là, arrondir aussi l'angle, puisque j'ai arrondi les angles de mes boîtes. Hop. Et voilà. Alors, vous avez vu, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'habitude, j'enlève 5 mm. Là, j'ai un bord qui fait 2 cm. Je n'ai pas coupé mes bandes à 1,5, j'ai coupé à 1,7.
parce que je trouve que plus c'est petit, plus c'est difficile d'enlever 5 mm. Ça ne fait pas joli. Donc je triche, j'enlève un peu moins. Voilà. Vous faites votre tour, etc., etc. Et voilà, mes boîtes sont bientôt prêtes. Donc, je vais finir avec les dimensions. Je vous les noterai. Hein. Je vous les ai données, mais je vous les noterai. Je vais finir là de recouvrir l'intérieur de ma boîte. Et je me dis que j'ai tellement mis de brats de partout. Je n'ai pas compté combien j'en ai mis, mais c'est assez impressionnant. Je peux vous le dire vite fait. Il y en a 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. D'un seul côté. Donc, 42 brats sur une boîte. Oh, tiens, c'est pas droit, là. 42 brats sur une seule boîte. C'est n'importe quoi. Là, franchement, j'aurais pu en mettre un à chaque bout et puis coller au milieu, quoi. Je n'étais pas obligée d'en mettre tout le long. C'est même pas hyper joli d'en avoir mis tout le long. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, voilà. Vous avez pas vu à quoi ça ressemblait. Et c'est juste fermé par des aimants. Et encore, on a de la chance. Hein. J'ai évité de mettre un brats ici. Oh, là, j'en ai oublié un. Oh là là, heureusement que je m'en aperçois avant de recouvrir l'intérieur. Voilà, voilà. Erreur réparée. Non, parce que sinon c'est compliqué à réparer ce style d'erreur après coup. Oh, il m'énerve. Il ne veut pas y aller. Voilà, donc à l'intérieur, je ne vais mettre que du papier scrap. Si vraiment vous voulez le recouvrir, du papier craft, pardon. Si vous voulez, vous mettez directement du papier scrap, sans papier craft dessous. Si vous voulez mettre du papier craft plus du papier scrap, dans ce cas-là, ne mettez pas du craft épais. Et de toute façon, vu que vous avez les deux dimensions là, pour l'extérieur, vous pouvez au pire faire un double matage à l'intérieur, ça sera les mêmes dimensions. Voilà, je finis tout ça et puis je vais vous faire quand même déjà une vidéo de la boîte pour vous montrer où j'en suis. Et après j'attaquerai le mini-album, je ne sais pas si je l'attaquerai ce soir. Je commence à être raplapla. Voilà, bye bye, à bientôt.